Yo, Jean c'est Jax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'épisode 7, je crois, de Star Wars. J'ai encore changé de gueule, oui, j'ai encore changé de gueule. D'ailleurs, cet équipement-là, ce style m'a coûté très très cher, hein. Surtout la teinture en fait, c'est tout ça. Bon, enfin bref, j'ai encore changé de gueule. Dites-moi si je suis plus stylé qu'avant. Moi je me trouve plus stylé qu'avant. Ça fait vraiment maraudeur là, vraiment. Parce qu'avant ça faisait un peu plus sorcier Sith. Là ça fait vraiment... Maraudeur Sith. Et voici mon beau vaisseau, regardez. Mon beau vaisseau payé par Dark Barras avec l'argent des abonnés. Donc on va aller dans ce beau vaisseau, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Bon, je vais passer par ce... Merde. Je me suis fail. Voilà, c'était plutôt appuyer sur espace au lieu d'échappe. Donc voilà, aujourd'hui on continue. Bah aujourd'hui, en fait je tourne, genre, j'ai tourné l'épisode 6 il y a 3 heures, je tourne l'épisode 7 3 heures plus tard. Je sais pas, je suis un peu comme ça. Ah. Ah bah oui, il va me faire un petit tour. Oh, je veux dire, bien le bonjour. Je suis 2VR8, droïde à tout faire du vaisseau. Vous devez être mon nouveau maître, gentil et prévenant. Hola, pas trop vite. Quel est ton rôle à bord de mon vaisseau? On m'a programmé pour une vaste gamme d'opérations. Préparation de repas, entretien du vaisseau, tâches ménagères et étiquettes, parmi tant d'autres. Bienvenue à bord de cet intercepteur impérial de classe Führer. C'est un appareil polyvalent qui combine la maniabilité d'un chasseur à l'arsenal des grands vaisseaux militaires. Tout le confort standard est à votre disposition, y compris le coffre du capitaine pour les objets de valeur. L'ordinateur d'astrogation contient une carte de la Oh galaxie là mise à jour là. en temps réel. Les communications interstellaires sont accessibles via l'holo-terminal du vaisseau. Les alertes prioritaires susceptibles de vous intéresser sont disponibles sur la console Holonet impériale. Et enfin, l'intercom du vaisseau vous servira à communiquer vos ordres au reste de l'équipage. Des questions, maître? Oh là 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 J'ai là. une mission à accomplir. On va voir ce que ce vaisseau a dans le ventre. Quelle bénédiction, vous ne me désactivez pas. Je veux dire, bonne chance. Je suis désolé de ne pas pouvoir combattre à votre service, maître. Honnêtement, mon châssis ne tiendrait pas le coup. Toutefois, si une tâche trop ingrate pour vous venait à se présenter, n'hésitez pas à me solliciter. Mes circuits sont à votre service. Quand vous serez paré au départ, consultez la carte de la galaxie sur votre pont. Je m'occupe de programmer les coordonnées d'astrogation et d'activer les moteurs. Oh là 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 là, mon nouveau vaisseau et mon nouveau look sont trop stylés. Oh là 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 là, bon, on va utiliser l'holo terminal du vaisseau. Parce que c'est ce qu'il faut que je fasse, tout simplement. Apprenti, j'espère que tu trouves ton vaisseau à ton goût. Je vous le dirai quand j'aurai fait un tour avec. Tu vas en avoir l'occasion. Il nous reste beaucoup à accomplir. Mes intérêts doivent être protégés et mes ennemis mis hors d'état de nuire. Les efforts de Nomenkar pour découvrir mes espions et prouver les pouvoirs de son padawan au Conseil Jedi doivent être systématiquement contrecarrés. Il faudra que tu consacres toute ton énergie à cette tâche. Le danger ajoute un peu de piment. Les renseignements que nous avons pu obtenir en drainant cet agent de la République nous serviront de point de départ. Nous savons que mon espion sur Nar Shaddaa était sous surveillance. Nous savons sur quelle planète ce Padawan a été découvert et à quel endroit elle a reçu sa formation. Et les Jedi ont envoyé quelqu'un enquêter sur mon espion sur Balmora. Tu vas devoir traquer ce Padawan et l'anéantir. Mais d'abord, tu dois sécuriser mon réseau en réduisant au silence mes espions sur Balmora et Nar Shaddaa. Ne devrais-je pas anéantir le Padawan au plus vite? Si les Jedi obtiennent la preuve de l'existence de mon réseau, Nomenkar triomphera. Nous devons d'abord éliminer tout risque de fuite. Mes contacts sur Balmora et Nar Shaddaa te diront quoi faire. Ta mission est d'une importance capitale, apprenti. Ok. Sème la cruauté, la colère et la mort. T'es un vrai Sith. Bon, ben c'est ce qu'on va faire, hein. Ah, Yavette qui veut nous parler. Alors je me disais, peut-être que vous pourriez m'enlever ce collier électrique. Vous savez, en remerciement de mon travail sur Korriban.
C'est pas que j'aime pas la peur permanente de l'électrocution, mais... Tu feras ce que je dis sans demander de faveur. Ouais, c'est une idée géniale et tout, mais... qu'est-ce que j'y gagne? Tu as raison. Tiens-toi bien et après, le collier. C'est sérieux? D'accord, je peux le faire. Je crois. Tiens-toi bien, Vette. Instaurer la peur dans tes ennemis, j'adore faire ça. Bon, elle est partie, elle est toujours là, je lui parlerai plus tard. On lui parlera plus tard, j'ai envie de casser des gueules là. Donc on va aller buter des gens sur Narshada. Narshada qui est une planète assez marrante, on va dire. Donc voilà, et elle est très courte en plus, la planète, donc tant mieux. Paf. Ah, apprenti. Je vois que tu es arrivé sur Narshada. J'ai bien peur que ce soit le pire endroit de la galaxie. Je vais tâcher de ne pas m'éterniser ici. Tâche de rester concentré, alors. Narshada est une planète de frivolité et de distraction. Paris, épices, marché noir florissant, gangs qui se disputent des territoires. Tu es ici pour éliminer mon espion, l'agent Delocon. Normalement, ce devrait être une tâche facile, mais Delocon s'est trouvé un puissant allié. Pourquoi est-ce que je dois tuer un de vos hommes? Delocon était mon espion sur Narshada, et la République s'est intéressée à lui à cause du padawan de Nomenkar. Il est intelligent et il a compris que je voudrais le tuer. Alors il s'est réfugié auprès d'un de mes rivaux, le seigneur Ratari. Un arriviste Sith qui ne cache pas son animosité à mon égard. Ratari, ah oui, putain, en fait, non, j'ai rien dit, ça va être plutôt long. Le Conseil Noir lui a donné le pouvoir en ce qui concerne les intérêts des Sith sur Narshada. Ah ouais, là, ça va être plutôt long, en fait. Tout ça va bientôt changer. Je fêterai la disparition de cette nuisance. L'agent Delocon sait beaucoup de choses à propos de mon organisation. Je ne peux pas laisser Ratari s'approprier une telle richesse. Anéantir, bon, on va aller buter Delocon. Détruis tout ce à quoi il travaille. Et tue l'agent Delocon. Ils souffriront comme personne n'a jamais souffert. Exactement. Alidrel Setsin s'occupe de mon commerce d'esclaves sur Narshada. Elle travaille pour moi depuis de nombreuses années. Elle est très efficace. Elle est prête à te recevoir pour te donner des informations sur les mouvements de Ratari et ses intérêts. Oui, je bouge beaucoup, mais bon, j'essaie de me mettre en place. Allez, c'est parti. Allez, c'est hyper. C'est parti pour une petite session de jeu, là. Je vais peut-être tourner 2-3 heures. Je vais peut-être faire tout Narshada. Comme ça, au moins, ce sera fait. La planète Narshada. Là où je fais cette vidéo, il est 21h. On est dimanche. Demain, c'est la reprise des cours. Dur, dur pour Ninjax. Coup dur pour Ninjax qui demain reprend les cours. Demain, vidéo SCP. Lundi de la reprise. Lundi 30. Sur SCP-066. C'est une petite vidéo très marrante, vous allez voir. Allez, let's go. On y va. On va utiliser ça, c'est plus rapide. J'ai de nouvelles montures, attendez. J'ai envie de vous montrer une nouvelle monture. Voilà, par exemple, il y a celle-là. J'en ai acheté. Ça coûtait pas trop cher. Hop là, c'est une sur Spatioport à Menzetti. Ok, on va se rendre, rejoindre Alidrel Setsin. Ok, on va rejoindre la petite Alidrel. Pour me passer de la pommade, chérie, ça n'empêchera pas l'échange de s'immiscer dans vos affaires. Vous pouvez rien y faire. Croyez-moi, vous allez préférer que je vous passe de la pommade. Faites un pas de plus et vous serez encerclé par une vingtaine de sites. Une vingtaine? Vous mentez, ma belle. Y a personne. Un site, c'est tout ce qu'il lui faudra. Alors, vous faites-moi le fier maintenant, capitaine. Comme ça, vous cachez un site dans votre sac? Eh bien, on nous a préparé à affronter les sites. L'heure est venue de faire travailler nos muscles. Je supporte votre présence depuis trop longtemps. Tuons le site. Oh, bonne chance. Allez, alors, on va s'occuper en premier des sous-fifres. Waouh, reviens ici. Waouh, level 20. Je suis bourré de planète, je crois. Je fais 0 dégâts. Attendez.
On est d'où level 20 là, level 21. Ah ouais, non, je me suis gouré de planète. Je crois qu'il fallait aller sur... Ah oui, il fallait aller sur Balmora. Ah, le con. Bon, c'est grave. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Attendez, faut juste que... Ok, il résiste à tout, donc ça va être compliqué. Il résiste aussi à ça. L'autre, il est niveau combien? 21 aussi, là. C'est pas gentil, ça. Bon, les gens, aujourd'hui, c'est épisode du fail, parce que je me suis gouré. Je devais aller à Balmora et pas à Narshada. Putain, pourtant, je pensais, j'étais sûr, mais sûr et certain qu'il fallait que j'aille à Narshada juste après Corriban. Bon, c'est pas grave. On va aller à Balmora, donc voilà, on a écouté un peu ce qu'a dit Dark Barras, mais bon, ce sera... Bah là, vous verrez, ça va être que du blabla cet épisode quand j'y pense, en fait. Que du blabla. C'est pas grave, je vous retrouve quand je suis chez Balmora. Bon, je suis sur Balmora. Bon, on va devoir encore utiliser l'holo terminal pour écouter Barras parler. Te voilà sur Balmora. Excellent. Ton contact sur cette planète sera le lieutenant Malavai Queen. Je suis sûr que tu le trouveras utile. Dois-je vraiment supporter ces impériaux subalternes? Ne te fie pas à son rang de lieutenant. C'est un officier exceptionnel. Queen te rencontrera dans ses bureaux, au quartier général de Sobrik. Nous reparlerons une fois qu'il t'aura briefé. Ok, bon, là cette fois c'est de mon niveau, hein, niveau 16. Ah putain, j'aurais dû regarder les niveaux de quête avant. J'ai pas été très fut-fut. Boum boum, Balmora. C'est bon, on connaît la gueule de la planète. Balmora, c'est une zone plutôt chiante aussi, y a pas grand chose à faire. Ça deviendra intéressant quand on passera niveau 40. Là, ça sera des zones plus intéressantes avec Hoth, la planète glacée et toutes ces conneries. Donc voilà. J'espère juste... je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais vous réexpliquer. En gros, je vous réexpliquerai quand j'irai sur Narshada, quoi. En gros, ce qu'il nous demande. Tout simplement. Ok, on arrive devant Malawai Queen. Pourquoi ils ont des noms tous aussi... plus pétés les uns que les autres, là. Malawai Queen. Personne s'appelle comme ça, s'il te plaît. Attendez. Hop. Je viens de voir un truc sur la map en bas. Un truc très intéressant. Bon, en plus, c'est là que je dois aller. Ouais, je suis allé vers les Inquisiteurs là-bas. Ces Inquisiteurs, regardez. Oh, je suis trop habitué. Oh putain, pense pas. Vous êtes fort. Et vous pourriez l'être encore plus. Instant héroïque. Ah, l'instant héroïque. C'est bien ça. En gros, ça me donne de la vie quand j'en ai besoin. Bonjour, monsieur Malawai Queen. Monsieur, je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Si c'est le mieux que vous puissiez faire, vous ne m'êtes d'aucune utilité. Je peux vous tuer la conscience tranquille. Oh. C'est ce que vous voulez? Non, monsieur. Alors concentrez-vous, Jilins. Vous pouvez disposer. Veuillez m'excuser pour ce retard, Excellence. Lieutenant Malawai Queen, je serai votre officier de liaison sur Balmora. Dark Barras dit que vous êtes compétent. J'espère qu'il ne se trompe pas. Je mériterai ce compliment, Excellence. Le seigneur Barras vous mettra au courant, mais je dois d'abord vous renseigner sur la situation de Balmora. Je n'en ai rien à faire. Bien que l'Empire ait repris le contrôle de Balmora pendant la guerre, nous n'avons jamais pu nous débarrasser totalement de la République. Il y a un mouvement de résistance plutôt important. Personne ne veut l'admettre, mais il est évident que la République est derrière tout ça. Vos problèmes locaux ne me concernent pas. Bien sûr, je suis persuadé que votre travail ici a des conséquences bien plus importantes. Okay, il n'y a oui. pas de temps à perdre. J'ai une ligne sécurisée avec le seigneur Barras. Je le contacte immédiatement. Ah, je vois que vous avez rencontré mon apprenti. Parfait, lieutenant. Veuillez nous laisser. Queen ne serait rien sans moi. Mais les détails de ta mission devraient rester entre nous. Nous devons agir vite. À cause du padawan de Nomenkar, les soupçons des Jedi se sont portés sur mon espion, ici, sur Balmora. Tu t'en souviens? Bien sûr, je me souviens de tout. Parfait. J'irai droit au but. Mon espion est le commandant Rylon, de la Résistance de la République. Il assure la liaison avec tous mes agents du secteur. Malheureusement, Queen suit de près une enquêteuse envoyée par les Jedi. Il va falloir surveiller nos arrières, avant que tu n'assassines Rylon. Ah bon, bah je vais devoir tuer quelqu'un. Il faut que tu détruises la preuve reliant le commandant Rylon au sabotage des systèmes de défense de Balmora pendant la guerre.
Pour cela, tu devras pénétrer dans la tour de contrôle satellitaire. D'après Quinn, la tour grouille de mécanismes de sécurité. Je m'occuperai de tout ce qui se mettra en travers de ma route. Cette mission est prioritaire. L'enquêteuse Jedi pourrait se rapprocher de cette preuve au moment où nous parlons. Quinn a tout ce qu'il te faut. Je vais l'appeler. N'oublie pas, il ne doit pas connaître la raison de ta mission. Je te contacterai. Excellence, j'ai préparé tout ce qu'il vous faut pour attaquer la tour de contrôle satellitaire. Pour détruire l'unité centrale, vous devrez placer cette charge à sa base et l'activer. Vous devrez ensuite me contacter et je pourrai la faire exploser. Ok, bon bah ça va. C'est pas trop compliqué et on monte niveau 16 en plus. C'est nickel. Bon, on va aller placer des explosifs sur la zone et puis on va tous être contents. Ah oui, bah tiens. La force est une arme. Je vais vous montrer comment la manier. Allez, c'est parti. Ok, je suis bientôt à côté de la zone où je dois placer les explosifs. Balmora, c'est une planète plutôt chiante. J'aime pas. En fait, toutes les premières planètes, vu que je les ai fait tellement de fois, j'aime pas. En tout cas, c'est stylé. Hein. Regardez, quand je vous mets comme ça, là, vous pouvez pas dire que c'est pas stylé, genre. C'est très stylé, c'est très classe. Toutes les planètes sont très classe, de toute façon. Attendez, on va remettre la map, vu que je dois quand même diriger, hein. Vu que je dois aller placer ces putains d'explosifs, on va passer par là, on va couper. On va couper, ouais, c'est une bonne idée, je pense. Non ! Ah, si, je l'ai pas vu. Ok, on va vite le buter. Voilà, encore un coup. Voilà. Ouais, nickel. On y retourne. Ah, eux, je pourrais pas les éviter. Donc on y va à l'attaque. À l'attaque. Boum. Peur s'il te plaît, merci. Viens ici toi. Les deux touchés, nickel. On prend de l'énergie comme ça. On tue le droïde. On tue le deuxième droïde. Et voilà, on est bien. Et on peut rentrer dans le complexe. Tac, on va y aller en monture parce que nous on respecte rien. Voilà, nickel. Ça va pas, ça va, ça va, ça va pas tuer. On va regagner un peu de vie comme ça. En boxant le punching ball. Allez, on va placer les explosifs. Yata! Oh, 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 regardez! Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je les ai tous freeze. Chaud génie. Tac, tac, tac. Ils sont freeze longtemps quand j'y pense. Bouge pas ici, bouge pas d'ici, toi, meurs. Voilà. Allez, next. Moi, je les bute tous. Hein. Moi, je m'en bats plus, je les bute tous. Je suis vénère. Allez, meurs. Voilà. Reviens ici, sale lâche. C'est le nouveau sort que j'ai eu, il est un peu nul hein. Il est un peu tout pété hein, mais bon, voilà. Bon. Ouais, j'ai cru qu'il avait un bon loot, mais bon, c'est pas grave. Oh, il y a du monde là. Alors regardez, mon plan, je vais y aller, je vais sauter dessus, je vais faire ça. Regarde, avant tout ça, ça. Là-da ! Boum ! Boum ! Boum ! Bougez pas, hein. Je vous tape tous les trois en même temps, voilà. Voilà, nickel. Et ben voilà. Oh, bah il y en a encore. Toi t'es mort, voilà. Toi tu vas être le plus chaud. Plus qu'un. Et après on pourra placer les explosifs. Let's go. Voilà. Oh. Holocommunicateur. Excellence, je prends note de votre progression et je vois que la charge est armée. Je la ferai exploser une fois que vous serez en sécurité. Mais d'abord, Dark Barras veut vous parler. Je vais vous laisser et m'assurer que la ligne est sécurisée. Apprenti, tu dois encore t'occuper d'une affaire potentiellement compromettante avant de pouvoir rencontrer mon espion, le commandant Rylon. Tu vas devoir envahir une forteresse de la République pour trouver un enseigne du nom de Durmat.
Il s'agit du fils de Rylon, et le commandant lui a confié sa véritable identité. Ah. Il faut réduire Durmat au silence, à jamais. Avec joie. Je vais m'assurer qu'il se taise à jamais. Je demanderai à Quinn de te donner les détails. Fais vite. Excellence, l'enseigne Durmat est retenue prisonnier à l'avant-poste du cratère de la République. Il attend d'être interrogé par ce mystérieux agent que Barras me demande d'espionner. Je vous préviendrai si l'enquêteuse se montre là-bas. Vous avez plutôt intérêt à rejoindre Durmat avant elle. Vous présumez bien, lieutenant. Alors je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Bonne chance pour votre mission, Excellence. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bon bah voilà. Ouais, j'ai eu un nouveau pantalon. Un nouveau fut. Bon bah on va aller retrouver l'enseigne Durmat. Ou quoique non, on va s'arrêter là. Bon, j'en ai marre de voir ça là, voilà. Tease-le. J'en ai marre de voir ça. On va s'arrêter là les gens. Pour aujourd'hui. Un nouvel épisode dans 2-3 jours. Hein, dans 2 jours. De toute façon ça va, les épisodes, j'ai fait 30 minutes d'épisode, normalement, là ça va durer 20 minutes, hein, si je cut, donc ça va, 20 minutes d'épisode, ça va. Donc les gens, attendez, on va s'arrêter de façon classe, hein, comme d'habitude, c'était Ninjax, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, allez, ciao!